Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Fernbus Simulator. Alors aujourd'hui, on est à Brest. J'avais beaucoup aimé les chapiteaux qu'on voit ici. Je trouvais que c'était vachement bien modélisé. Et on a une vraie gare là-bas, ce qu'on n'avait pas eu à Nantes. Et donc je suis bien content. Donc aujourd'hui, on est en MAN Lions Coach C seconde génération. On va aller à Rennes d'ailleurs. Je sais pas si je vous l'ai dit, je me souviens plus. On va à Rennes et... On a aujourd'hui, bah, par rapport à un petit clin d'œil aux Jeux Olympiques qui vont commencer la semaine prochaine, j'ai mis un skin, alors c'est un skin de base dans le jeu, avec la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe et le drapeau français. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc on l'a sur tout l'arrière, on l'a ici et on l'a sur le côté droit à cet endroit-là, voilà. Donc, bah écoutez, on va peut-être pas faire attendre les passagers trop longtemps. On va pas oublier d'ouvrir ça. On va ouvrir les soutes. C'est parti. Et puis surtout, j'ai vu que je pouvais diffuser une annonce pendant qu'on roulait. Donc je vais essayer parce que apparemment ils parlent anglais, ils parlent allemand et ils font la présentation du Flixbus en disant bah qu'il y a je sais pas le Wi-Fi, l'air conditionné, les toilettes, comment on fait pour y aller. Donc ça c'est j'ai hâte de voir et je crois que c'est ma touche Alt à gauche qui le fait. Donc allez, on va voir ces personnes là. Alors est-ce qu'on va dans la direction? Bah on va voir. Bonjour monsieur. Oui, tout à fait. On va à Rennes. Alors, on va voir le monsieur ici. Leverkusen. Ah non, désolé monsieur, c'est pas le bon arrêt. Je vous invite à aller voir Flixbus pour prendre un autre ticket. Ici c'est Rennes. Ok, alors, cette dame, elle y va. Bon, lui, il va rester en plein milieu, évidemment. Oui, tout à fait, je vous donne un ticket pour Rennes. Voilà. Bonjour. Oui, vous êtes au bon arrêt, madame. Oui, c'est bon. Alors, Trèfle Hôtel Panorama, c'est où ça? C'est pas en Allemagne, là où il y a la piste de ski? En tout cas, non, monsieur, désolé. Vous n'êtes pas au bon arrêt. Bah dis donc, aujourd'hui, c'est fou. Non, parce qu'il va à Leipzig. Donc, ça, c'est pas bon. Voilà. On est loin des 100% aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est bon, il va à Rennes. Oh, bah dis donc, le Kaiserslautern Busbahnhof. Non monsieur, c'est pareil, je vous invite à aller voir l'agence pour changer de ticket. Voilà, Rennes. Et le monsieur va à Rennes aussi. Et aujourd'hui on en a 4. Ok, bon bah écoutez, c'est sûr que c'est pas du 100%. On va essayer de faire attention ici, voilà. On va se coller là. On va aller fermer cette soute et puis bah let's go. Allez, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la ligne Flixbus Brest-Rennes. Donc aujourd'hui, on en a à peu près pour 2h30 et 260 km. Donc je vous souhaite un très bon voyage. Alors, on va essayer. Je vais me mettre en mode bus. On va fermer là et je vais appuyer sur la touche. On va faire ça. Ah mais regardez, c'est génial. Alors je crois qu'il fait allemand-anglais, mais je sais pas la suite s'il fait d'autres. Hein. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen. Attention ici, c'est je sais pas si c'est priorité à droite à cet endroit-là parce que le rond-point est bizarrement fait. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in. Mais c'est trop bien ça, les annonces. Unser Reisetipp fürs Internet. Schaut's doch mal auf unserer Facebook. Vous entendez, il parle de Facebook, Internet. Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind kein Problem. Ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App. Und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf Flixbus.de. Et normalement, il fait l'anglais après. Aktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Ça, c'était celui qu'on a vu là, le bateau à l'entrée de Brest. Wir wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to. Ah bah voilà, il le passe en anglais. Mais je savais pas du tout que ça existait ça. J'espère qu'il y a le français hein. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seat belts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seat belt fastened throughout the entire journey.
Tu vois, elle n'est pas obligatoire la ceinture de sécurité, mais il conseille de la mettre, si c'est ce que j'ai compris. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly. Ah bah il y a des chargeurs. If you want to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our menu. Attention, lui il risque de me passer devant, voilà. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions. Attends, je crois que c'est ici. Ready to assist. And now we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Alors, il me le fait en allemand et en anglais, mais c'est génial, je savais pas que ça existait ça. Bon, moi c'est vrai que je fais un peu la présentation à chaque fois, je fais un peu RP en disant aujourd'hui il y a le bienvenue, le nombre de kilomètres, tout ça. Mais j'avoue, je crois que c'était un stop, j'aurais peut-être dû m'arrêter. J'ai déconné là-dessus. Ah bah désolé. J'ai merdé sur le virage. J'étais subjugué par cette annonce. Du coup, j'en ai oublié mes bases. Ok. Bon, du coup, en tout cas, tous ceux qui étaient là pour le live ETS2 de jeudi, franchement, c'était génial. Je me suis vraiment éclaté sur ce convoi exceptionnel. Et vraiment, je pense qu'on va en faire. Je pense qu'on va en faire un tous les mois. On va essayer avec Bébé Moddings de faire ça sur son serveur. Et c'était vraiment sympa. Le truc, c'est que là, je me suis penché un peu sur le son, le micro, quoi, où j'ai eu le problème au tout début, là. Mais j'ai coupé maintenant sur le live, j'ai coupé ce qu'il y avait comme souci. Et j'ai essayé de refaire complètement avec ma table de mixage un truc où je peux régler le Discord, je peux régler en même temps le micro, le jeu, tout ça. J'ai essayé de faire un truc très sympa qui me permet de bien contrôler tout ce que je veux. Et donc la prochaine fois, je serai bien prêt pour ça normalement. Et je devrais pas avoir de problème de micro. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai eu ce problème au départ. Mais voilà. En tout cas, vous avez tous été bienveillants. Et ça, c'était vraiment bien parce que vous m'avez aidé. Vous avez essayé de trouver le problème avec moi alors que vous connaissez pas du tout mon PC et la façon dont je gère le truc. Et donc vraiment, je voudrais vous remercier. Et puis à tous ceux qui étaient là, toute la soirée, on a discuté et tout. Et j'espère que ça vous a plu. Hein. En tout cas, moi, je me suis éclaté là-dessus dans tous les sens du terme. Et c'était trop bien. C'est ça le vrai truc des convois exceptionnels. C'est quand tu le fais avec des joueurs, c'est quand même bien plus marrant. Bon, en tout cas, pour l'instant, on est avec un bus. Donc, je vous dis, on est avec le MAN. Puis, il y a mon petit clin d'œil aux Jeux Olympiques que j'aime bien. Voilà, je trouvais ça sympa. Donc, je sais pas si vous avez pris, pour tous ceux qui sont... Ou, j'allais dire, tous ceux qui sont dans Paris ou même tous ceux qui sont en France. Je sais pas si vous avez pris des places pour les Jeux Olympiques. Moi, je sais que j'en ai pris pour l'athlétisme. Je voulais aller voir le basket. Mais le basket, c'est surtout à Lille. Voilà, donc le problème c'est que je peux pas aller à Lille, c'est trop compliqué, surtout pour revenir dans la journée et tout, donc voilà. Mais comme l'athlétisme, il y a plusieurs compétitions dans le même après-midi et tout, donc je trouve ça sympa d'y aller. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu bizarre les personnes qui ne veulent pas y aller, sachant qu'à Paris, si c'est une fois tous les 100 ans, vu que c'était en 1924 la dernière fois, si la prochaine fois c'est en 2124, moi je serai plus là, donc je préfère en profiter et aller le voir aujourd'hui. Et pas regretter, vu que j'adore le sport, quoi. Donc voilà, c'était le petit intermède. Donc on arrive à 15, il est 15h43 et on arrive à 18h12. Ah ouais, il y en avait à peu près pour 3 heures.
Bah, je crois que c'est ce que j'avais dit et il me semble que c'était 260 km si je me trompe pas. Et comme d'habitude, dites-moi quand on arrive à Rennes, en espérant que ce soit à la gare routière, enfin la gare routière, même la gare SNCF, de me dire si ça ressemble au tour. Hein. N'hésitez pas. C'est comme ça que on a fait un peu le succès de ce DLC France, c'est en essayant de voir si ça ressemblait à chaque fois. Et là, la gare de Brest, c'était pas mal. Franchement, je la connais pas, mais je trouve que c'était bien modélisé. Oh là là, pourquoi tu me roules devant, toi ? Donc j'ai fait démarrer à 15h, vers 15h le trajet, parce qu'en fait sinon j'avais le soleil en plein dans les yeux et oui, je crois pas qu'il y ait de store qui fonctionne. J'ai pas regardé. Mais c'est pas très agréable de rouler avec le soleil dans les yeux pendant tout l'épisode. Le but c'est qu'on voit un peu des paysages quand même. En tout cas, c'était bien sympa l'entrée de Brest avec le bateau. Je vais dire le bateau échoué, même si c'est pas ça. Mais si vous connaissez le nom de cette sculpture, enfin, pas sculpture, mais le nom de ce bateau ou cette place, sympa, dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère qu'on va trouver un truc comme ça aussi dans Rennes, parce que en ce moment, je suis en train de tester les miniatures en essayant d'éviter d'être à l'intérieur du. En évitant d'être à l'intérieur du bus, du car, mais je sais pas si ça fonctionne mieux que quand on voit le bus entièrement, voilà, donc on va voir. Je vais peut-être essayer, j'ai personne, je vais le dépasser. Je vais le dépasser parce qu'ils se traînent toujours, ces camions bleus. Donc on va pas rester 2 heures derrière. Elle est sale ma vitre. Qu'est-ce qui lui arrive là? Je peux pas nettoyer ça. Ah mais même le pare-brise en fait il est sale. Je sais pas si c'est moi qui ai fait ça dans la personnalisation. Ouais, je sais pas. Ah, il y a un pote Flixbus juste en face. Alors attends, je crois qu'il y a une voiture qui arrive dans le rétro. C'est même une camionnette. Allez, j'y vais. Parce que ça, quand il est pas bleu, il est vert, mais c'est le même camion. Quoique, c'est peut-être pas tout à fait le même, je sais pas trop. Ah, ici c'est 80. Il m'a dit 80. Ouais. C'est étrange que sur le GPS, il me laisse 100. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est que, bah, en allant à Rennes aujourd'hui, on va longer la côte. Voilà. On prend vraiment sur l'extrémité. Alors, bah, ça se voit pas parce que, mais on voit la mer au bout là-bas. Mais on prend vraiment par cet endroit-là. Après, on pourrait avoir la possibilité de prendre ailleurs, mais je sais pas quelle est la sortie parce que on peut pas zoomer spécialement. Si, il faudrait que je regarde la map et que je regarde l'endroit. Où on est un peu plus dans les terres. Mais je sais pas trop. Je vais pas le faire là, je regarderai en offline. Et puis la prochaine fois, je pense qu'on va essayer
un nouvel épisode de The Bus parce qu'il y a une map qui s'appelle Innsbruck et j'ai bien envie de la faire. Pourquoi ils viennent? Mais ils aiment se coller aujourd'hui devant moi. Tout ça pour le redépasser, le mec. Ah oui, tu vois, c'est passé à 80 sur le GPS. Évidemment, je dis ça et puis maintenant, c'est... Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ah oui, c'est une ferme. Je me demandais de loin ce que c'était. Vous voyez, on voit la mer là-bas. Enfin, on voit la mer. On voit la Manche, quoi. Alors vous voyez Rennes-Rouen et je me demande si par exemple, en passant par exemple à Nantes, là, on devrait pouvoir quand même rejoindre Rennes à un moment donné. Mais on va continuer tout droit, on va pas s'embêter. Mais normalement le GPS il recalculerait et on pourrait passer un peu plus dans les terres, mais là c'est pas grave. Et 16h30 d'ailleurs, j'ai pris le bon horaire hein, pour pas avoir le soleil dans les yeux. Là, c'est quoi cette descente? Ouais, je me méfie. On va aller doucement. Ouais, c'est quoi ça? Ah ok, je me méfie maintenant des textures qui dépassent sur la route après ce que j'avais vécu sur ETS2. Alors, tout droit, Paris-Rouen. Bah, Rouen, c'est la prochaine destination. Je sais pas par contre, j'ose pas appuyer, mais je sais pas si la touche Alt du coup gère toujours la même annonce ou si elle en fait une autre par exemple. Je sais pas trop. Je vais pas appuyer, mais je me posais un peu la question là, comme ça. Pendant qu'on était en train de rouler sur l'autoroute et qu'il y avait pas grand monde. D'ailleurs, on arrive dans 1h30. Mais c'est moi, on a l'impression que ça commence à se coucher le soleil.
Ok, là c'est 80. Ouais, ok, il me l'a mis sur le GPS. Le GPS qui a... Ah, maintenant c'est 100. Bon, j'essaie de rouler non plus pas trop vite parce que je veux pas que l'épisode dure un quart d'heure. Hein. C'est... Donc j'essaie de me caler à 90 même si je sais que c'est 100 pour les bus. Oh là là, le camion là. Je t'ai vu, toi. Je t'ai vu, petit coquin, là. T'as essayé de me passer devant. Alors, qu'est-ce qu'on va traverser? Est-ce qu'on arrive dans Rennes ou pas? Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de structures. Ah, je pense qu'on arrive dans Rennes. Vous savez quoi? Si on arrive dans Rennes, on va faire un petit tour dans le centre-ville. Vous voyez, on sort de l'autoroute. On va faire un petit tour dans le centre-ville, comme ça, on va essayer de voir si on trouve des choses intéressantes. Il y a du monde ici, hein. Je pensais qu'il fallait que je m'avance un petit peu plus. Eh ben, nous voilà déjà dans Rennes. Oh, c'est incroyable, en 20 minutes on y est allé. En même temps, je m'en doutais un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est que avant d'aller à la gare, on va essayer de... Tu vois, là il nous dit d'aller tout droit. Alors, le Mabilet, gare de Rennes tout droit, centre-ville. Ok, donc nous ce qu'on va faire... Ah ouais, il veut passer là. Ah bah écoutez, nous ce qu'on va faire, c'est que... Bah, grille pas le feu rouge, mon gars. Nous on va aller tout droit dans le centre-ville et on va aller regarder un peu. Il est pressé là. Grille pas le feu parce qu'il y a la police juste derrière. Alors nous on va pas aller là. Voilà. On va pas se diriger direct là. Il disait que centre-ville et gare étaient à l'autre bout. Donc de toute façon mon GPS il va recalculer. Donc centre-ville, gare de Rennes. Nous on va encore aller tout droit parce qu'il nous demande de passer à gauche. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah là-bas on a deux tours. Ok, ok, ok. Ça c'est intéressant. Regardez, donc là on a sur le côté le super cul. Là c'est ça. Qu'est-ce que c'est ces espèces de quatre pointes? Ouais, j'ai rien touché. Eh hey, mon vieux, t'as eu où ton permis de conduire? Merde. Oh là 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 là. J'essayais de regarder hein, où on était. Alors là, il me fait tourner. Ok, on va voir. On va aller voir ces tours avant de tourner. Parce que là, il veut qu'on tourne à gauche. Tu vois, donc soit la gare, elle est à gauche là-bas. Mais je veux aller voir ces quatre pointes là. D'ailleurs, attendez. Pourquoi on est...
Ah non, il y a bien un feu, je le voyais pas. Alors ok, je peux pas... Ok, lui il veut qu'on tourne... Ah ok, on n'a pas le choix. Alors on n'a pas le choix. Bon par contre lui... Ok, alors... Là ici, on va aller là. C'est quoi ça ici? Ah, gare SNCF, ok. Donc on va aller dans la voie bus. Ok, let's go. Je sais pas où on va, mais en tout cas on visite Rennes. Alors évidemment, proche de la gare, ça va être un peu ressemblant, mais là, en dehors, je sais pas si c'est un peu ça l'architecture. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on va visiter de la ville. Ok, alors, j'ai personne. J'y vais maintenant. Donc là, il me demande de tourner à gauche. Allez, on va visiter. Ça, c'est pour nos amis rennais. On visite un peu. Je me demande... Attendez. Non. Je vais tourner ici. Je vais tourner là. Voilà. Je vais tourner ici. Et puis, je vais regarder si je peux aller au niveau de ces fameux 4 pointes. J'ai trop envie de savoir. Vous voyez, je vais tourner là. À droite, on visite, hein. On visite. Là, il y a aussi, juste là-bas, il y a aussi un truc assez haut. Vous voyez, sous le rétroviseur. J'ai trop envie de visiter la ville, là. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a des trucs. Vous voyez, ici, ça se trouve, c'est écrit ce que c'est. Bon, évidemment, c'est pas très RP d'aller visiter le truc, mais en même temps, on est là pour ça. Opéra... Ah, c'est le... Alors, attends. Ça serait... Waouh, la statue. Waouh. Trop beau. C'est un ange. Et donc, du coup, je vais passer là. Je vais aller là. Et on devrait tomber sur les 4 pointes. Alors, c'est un CD le passage, mais je vais peut-être avancer, quoi, parce que sinon, je vois que dalle. Ok, elles sont là-bas. Hop, attends. On va le laisser passer. Bah, vas-y, hein. Bon, bah, j'y vais. Avance pas à ce moment-là, hein. Eh, mais là, on est passé devant cette espèce d'ange, là. Ok, j'ai pas vu... Vas-y, ok. Ah, je peux pas aller le voir. Enfin, je crois pas. Mais c'est un stop. Je comprends pas ce panneau là. J'ai du mal à. Ok, bon, vas-y. Allez, je peux pas aller les voir ces quatre choses là. Donc, dites-moi en commentaire ce que c'est. Et puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement à la gare. Mais je suis content d'avoir vu cet ange là. C'était juste incroyable. Alors, on va tourner ici. Nous, on va le suivre. Hein. On va suivre ce qu'il dit. Parce que là, sinon, je vais me perdre. Allez, normalement, au bout, ça devrait être vers la gauche. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, on revient sur nos pas de tout à l'heure. On va tout de suite se mettre là. Voilà. Quand je regarde qu'il n'y ait pas une voiture sur ma droite. Parce que là, j'étais un peu dans la voie de gauche. Alors, ici. Donc ça, c'est quoi ça, ce truc-là? On dirait un plongeoir, de loin. Ok, alors.
Bah écoute, attends, je vais essayer de... essayer de pas tout péter le bus. Voilà, en plus j'en ai un qui arrive derrière. J'aurais été déçu de pas voir cet ange là qu'on voit là au milieu là. C'est pour ça faut toujours espérer aller visiter un peu la ville et trouver des choses un peu cachées comme ça. C'est ça qui rend le jeu beau. Donc là, cette fois, je vais tourner. On va aller doucement. Je crois que j'ai grillé le feu rouge. Alors, gare routière, mais moi, hôtel de ville. Est-ce qu'il faudrait pas, vu que la gare routière est à gauche là-bas, que je me place sur la gauche déjà? Ça serait pas mal, tu vois? Je sais pas où il veut m'amener. Parce que là, là, j'ai trop envie d'y aller, là. C'est écrit gare routière, gare SNCF. Ah, mais c'est que des... ok, c'est que des... Voilà. C'est que des sens interdits, en fait, de l'autre côté. C'est pour ça qu'il nous fait faire ce détour. Et... attends. Moi, j'arrive pas à me rabattre. Bon, de toute façon, ça va, ça se transforme en une voie. On fait un sacré détour, là, du coup, hein. Ok, attends. Bah du coup, j'y vais, hein. Attends, attends. Qu'est-ce que tu fais, toi? J'ai mis mon clignotant pour dire que je tourne à gauche. Voilà, c'est tout en construction. Alors, est-ce que ça serait pas la gare routière? C'est pas ça. C'est pas la gare SNCF non plus, j'ai l'impression. Quoique. Quoique, si, ça va être ça. Alors, attends. Ouais, ça va être juste ici. Donc, est-ce que c'est ça la gare? Non, c'est pas écrit CNTF dessus. Allez, on va tourner ici. Alors là, on va sauf bus. Donc, j'y vais. Écoute, soit c'est la gare routière, soit c'est la gare classique. J'arrive pas à savoir parce que c'est pas écrit CNTF. Ok, bah écoutez, on va tourner là. Voilà, et puis on va aller se garer parce que je sais pas où est la gare SNCF dans ce cas-là. Quoi, nous sommes trop tôt? Oui. Voilà. Et bah écoutez, ça y est, on a bien visité en tout cas la ville, hein. Ça c'est sûr. Alors on va libérer les passagers. Voilà. On les libère et puis on va sortir un peu. Je dis on va les libérer, mais en fait j'ai complètement oublié de toucher au bouton de la porte, voilà. Bon, bah, écoutez, mesdames et messieurs, bienvenue à Rennes et j'espère que vous allez passer un très bon séjour et puis je vous souhaite une très bonne journée. Ok, donc voilà, ça y est. Donc on a terminé avec ce bus aux couleurs, on va dire, de la France et Jeux Olympiques. C'est dommage qu'on ait pas un petit truc où on puisse mettre les anneaux dessus. Voilà. Et on est à la gare. Alors, on est à la gare routière, mais j'arrive pas à savoir si c'est la gare de Rennes. Vous me direz. En tout cas, on est arrivé à notre point de destination, voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.